Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon frérot Armano. Donc, allez vous abonner à sa chaîne, je vous mettrai le lien en description, je compte sur vous pour lui donner de la force. Voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo assez particulière, car on va tout simplement piéger un faux pompier. Alors je sais que vous allez trouver ça bizarre, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer et vous allez voir, c'est très simple. En gros, si vous voulez, chaque année les pompiers vont à la rencontre des habitants afin de récolter de l'argent qui servira à des associations qui aident et soutiennent leur métier. Et cette personne juste en face que je suis en train de vous filmer, qui porte un t-shirt à manches longues avec inscrit sapeur-pompier dessus, n'est tout simplement pas en réalité vraiment un pompier. Ça nous a été signalé par un abonné, ça a été vérifié, il n'a aucun diplôme, il n'a jamais fait ce métier. Et du coup, ce petit vislard là, il essaie de s'en mettre plein les poches sur le dos des pompiers. Donc grâce au signalement de l'abonné, on a un petit peu tourné en voiture, on n'a pas mis longtemps avant de trouver vers où il traînait. Et là, je sais pas ce qu'il fait, il est sur son téléphone depuis tout à l'heure, donc on va l'observer, on va voir un petit peu ce qu'il fait. On a toute notre journée, on va attendre, et quand il y aura de l'action, on verra bien. Il bouge. Vas-y, avance. Tu veux ? Avance, mais doucement, genre. Il tourne. Il a tourné dans l'immeuble. Vas-y, avance. Ah, écoute, ce que je vais faire, je pense, je vais l'attendre, tu vois, en bas de l'immeuble quand il ressort et je vais lui parler un petit peu. Ah, excuse-moi. Ouais. Ça va ? Tranquille. Ouais, ça va. Ouais. T'es pompier ? Ouais, je suis pompier. Tu fais quoi ? Tu vas au travail, là ? Ouais, je fais des agendas, en fait, de la petite récolte pour la caserne. Ah, pour la caserne ? Ouais, de l'argent pour la caserne. Ah, ok, attends, viens, on se met là vite fait. Je voulais te parler, frérot, d'un truc. Genre, toi, tu fais ça depuis longtemps ? Ouais, depuis un petit moment, ouais. Parce que moi, j'aimerais bien devenir pompier, en fait. Ouais. Et du coup, j'aurais aimé savoir c'est quoi qu'il faut faire comme formation et tout. Formation, bah ouais, je dépose ton CV. Où je dépose mon CV ? À la caserne. Elle est où la caserne ? Bah, tu cherches sur Google Maps et tu tapes caserne pompier, ils vont te mettre les casernes. Ah ouais ? Tu choisis la caserne que tu veux, tu vois. Non, en fait, c'est combien, genre, pour acheter un agenda ? Un agenda, franchement, c'est. Si tu veux vraiment soutenir le truc et toi, si tu veux devenir pompier, si tu veux vraiment devenir un pompier, c'est 50 euros, tu vois. 50 euros ? Ouais. Je veux vraiment soutenir la cause. Ouais. Ouais. Combien de temps que tu fais ça ? Trois ans que je suis là-dedans. Et t'es pas avec des collègues et tout normalement pour faire la récolte ? Des fois. Tu m'as dit combien ? 50 euros. Là j'ai pas sur moi, mais tu fais quoi ? Tu fais le tour et tout ? Ouais, c'est ça. Je vais passer chez moi, j'habite là-bas, tu vois. Et j'essaierai de revenir te voir pour t'en acheter un après, si je te recroise. Bah vas-y, pas de soucis. C'est bon ? Vas-y, c'est bon, y'a pas de soucis. Ouais, y'a du scratch ici là. C'est pour mettre le badge de la caserne. De la caserne ? Ouais. Et il est où le badge de la caserne ? Mais je l'ai laissé chez moi en fait. Ah, tu l'as laissé chez toi, genre ? Ouais. Mais pourquoi tu l'as pas pris, genre ? Bah, ça me sert à rien, enfin, c'est quand je vais aller en mission. Ah ouais. Attends, bouge pas, frère. T'as un truc dans les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a ? T'avais un truc dans les cheveux ? Reviens, frérot, reviens. Frère, viens. Viens, c'est bon. Gros, je suis désolé. Y'a pas de désolé, t'avais un truc dans les cheveux ? Gros, je m'excuse, je passe chez moi et je reviens. Vas-y, de toute façon, je vais faire le tour, vas-y. C'est bon. Je peux pas, je peux pas, je suis désolé, hein. Je repasse après. Ok ? Il va se faire l'autre immeuble. Ah, j'y suis allé, je lui ai parlé un petit peu. Je lui dis, elle est où la caserne ? Il dit, je sais pas. Je lui dis, ouais, comment je fais à devenir pompier ? Il dit, ouais, tu déposes un CV. Ah, c'est un pompier en mousse, frérot. Et il est retourné dans l'autre immeuble. En fait, genre, je l'ai pas trop poussé à bout, tu vois. Parce que je lui ai dit qu'après, j'allais repasser. J'ai vraiment envie qu'on essaye de lui donner une bonne leçon, tu vois. Parce que là, tu vois, il y a trop de monde et tout pour faire le truc de l'extincteur, là. Donc, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de le suivre un peu. De toute façon, je lui ai dit que j'allais le retrouver après, que j'allais continuer ma route et tout. Il a dit qu'il continuait vers là-bas, tu vois. Vas-y, on va essayer de le suivre tranquillement. Et quand on l'aura dans un coin tranquille, j'irai lui parler et je lui ferai le coup de l'extincteur. Vous allez voir, c'est marrant, ça. Excuse-moi. Ah, ça, excuse. C'est pour toi, qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais genre, je t'avais dit que je t'avais suivi ou quoi ? Non ! Mais quand je t'avais dit que j'étais là-bas alors que je suis pas allé ? J'ai pris un autre chemin ? Non, je sais, mais je t'ai vu et tout. Je t'ai dit que j'allais chercher des sous et tout. On t'a jamais suivi en fait. Non, je t'ai pas suivi. Je suis tombé sur toi par hasard et tout. J'ai pris un autre chemin de ce que je t'avais dit en fait. Ah bon ? Pourquoi ? Tu m'as mis toi et tout ? Bah, gros, c'était bizarre, moi. J'ai eu peur, moi. Non, mais t'étais là pour faire les étrennes, c'est ça ? J'ai bien compris. Ouais, ça, c'était pour faire les étrennes. Donc, tiens, ouais. Moi, comme t'es pompier et tout, tu vois, je suis allé vite fait chez moi. Je suis vite fait allé en vitesse et tout, et du coup, je t'ai pris ça. Je vais faire avec ça, j'en ai rien à faire de ça, moi, j'ai besoin d'argent. Non, mais comme t'es pompier et tout, je t'ai pris un petit extincteur. Tu crois que pompier, on n'a pas des extincteurs, nous ? C'est des gros camions et tout ça. Ça va rien me servir, ça c'est n'importe quoi, ça. Moi, j'ai besoin que de la maille, tu vois, justement. L'argent. L'argent ? Ouais, c'est que l'argent. Ça, j'ai rien à faire. Non, je ne comprends pas, je vais rien faire de ça. Moi, en fait, genre, j'avais juste une petite question, tu vois. En fait, c'est... À quoi ils servent tous les sous qu'on donne ? Parce que c'est des dons et tout qu'on fait. On achète pas. Ouais, les gens, ils donnent plus en général. Bien sûr. Mais à quoi ça sert, en fait, exactement ? Alors, tout simplement, ça sert à entretenir les camions, les équipements. Ça va chez les pompiers direct. C'est ça, ça va chez les pompiers directement. Pour maintenir leur. Voilà, c'est un coût quand même, tu vois, c'est assez cher, donc du coup, il faut pas mal d'argent. Je te mentirais pas que, voilà, une grosse somme, ça aide bien. Du coup.
Bah, je leur dis quand même quand je toque aux portes qu'il me faut une grosse somme quand même. Ouais, il faudrait un petit 100 euros, ça fait plaisir quoi. Ah non, c'est cool franchement. Bon, j'aimerais bien. Bref, tu me fais perdre mon temps donc il faudrait que je bouge, tu vois, parce que du coup ça me fait des agendas impayés donc. Moi je voulais prendre un petit agenda. Tu veux prendre un agenda? Bon, après. C'est plus pour le don, tu vois, j'en ai pas vraiment besoin de l'agenda. Au pire, tu peux même garder l'agenda, tu sais quoi? Bah, y'a pas de problème, bah, moi je suis preneur. Je vais voir ma mère en fait, je lui ai demandé, tu vois, et en fait, ma mère elle est malade, elle est gravement malade en ce moment. Donc là, elle fait des allers-retours entre l'hôpital, etc. Et je lui ai demandé si on avait des sous pour donner pour les pompiers, tu vois. Je lui ai expliqué et tout, un petit peu, je lui ai dit que voilà, moi ça me tenait à cœur, etc. Bon, je te cache pas que ça nous met un peu dans la galère, tu vois. Là, c'est la fin du mois et tout, tu connais, on n'aura pas grand chose pour manger. Quoi, j'ai 50, 60, 70, 75 euros. C'est vraiment pas mal. Bah, c'est tout ce qui nous restait pour la fin du mois. Bon, on a peut-être des pâtes ou quoi pour manger encore. C'est vrai qu'on a plus grand chose à manger. Après, on a pris des pâtes à nourrir, quoi. C'est... Ouais. Franchement, c'est bon des pâtes après. Franchement, moi après, je mange des pâtes donc. Ouais. Ah, bah, franchement, mais merci beaucoup. C'est un bon geste et tout. Ouais, franchement, je vous remercie. Vraiment, c'est super gentil de ta part. Après, j'espère que les médicaments que je dois acheter à ma mère et tout, j'ai réussi à. J'espère, franchement, je prie pour vous. Qu'est-ce que je peux te dire? Du coup, je prends les sous et tout. Je prends les sous. Je vais voir quand même. Juste, en fait, je voulais pas le prendre, mais je vais voir l'agenda à quoi il ressemble. L'agenda? Après, bon, je peux te donner, mais si tu veux que je le garde, pas de soucis, tiens. Ah, ouais, il est pas mal. Vas-y, tu peux me le rendre, s'il te plaît, parce que je dois aller le donner, parce que là, j'en ai plus trop, tu vois. Mais tu m'as dit que je pouvais je t'ai donné 75 euros, tu m'as dit que je pouvais l'acheter. Non, non, c'est toi que tu m'as dit c'était un don. Ah, c'était un don, du coup. Ouais, c'est toi qui m'as dit c'était un don. Je garde le donc. Tu veux le récupérer? Ouais, je veux bien le récupérer. Oh, qu'est-ce que tu fais, Zed? T'es un loco, toi? T'as vu ma mère, t'es un loco? Mais non, je voulais te le repasser, je crois que. Mais là, j'en ai rien. Je croyais que t'allais l'attraper et tout. J'allais l'attraper, t'as fait un smash avec. Oh, mais tu es barjo, toi. Mais non, fais voir. Mais non, y'a pas de fais voir. J'ai donné 75 euros. Oh, j'en ai un loco, la vie de ma mère. Ah, frérot, ma. Ouais, mais t'as donné les 75, c'était un don, maintenant, ton père. Maintenant, je suis dans ma sacoche. T'es sérieux, Adrien? Ouais, je suis sérieux. T'es un pompier, toi? T'es un vrai pompier? Oui, je suis un pompier de 100%, pur sang. Ok, vas-y, fais voir l'agenda. C'est mon agenda. J'ai donné les sous pour. Ouais, là, y'a plus d'agenda, là. Je vais le revendre, ça. Ok, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Si tu vas faire quoi si je le rends pas? Mais rends-le-moi. C'est bon, rends-moi l'agenda, là. C'est à moi! Comment ça, c'est à toi, ça? C'est à moi, ça, ça vaut de l'argent. 75 euros. Bah, justement, donne-moi ça, c'est à toi. Je te le donne, tiens. Mais t'es... Ah frérot, calme. La fille de ma mère, je vais t'envoyer des pastilles dans ton visage de... C'est un agenda que j'ai acheté. J'ai payé 75 euros l'agenda. Tu l'as pas acheté, t'as fait un don. Acheter, c'est acheter, un don, c'est un don. Là, tu m'as fait un don, t'as pas acheté. J'ai découvert de 450 euros, ma mère elle est malade et tout, j'ai besoin d'acheter les... Mais calme, frère, écoute, je suis désolé pour... Non, franchement, non, je suis désolé pour ta mère, je vais prier pour elle, tu vois. Non, frérot, je veux récupérer les sous, en fait, je viens de penser à ma mère et tout, faut que j'achète les mythes. Calme, ouais, ça fait de la peine, mais franchement, les pompiers, c'est galère aussi, je te jure. Et ouais, mais ma mère et tout, genre. Ouais, je sais, bah franchement, avec les pompiers, on va se. Voilà, on va faire en ensemble, tu vois. Et si elle a besoin, avec le camion, on va à fond, tu vois, et on va l'aider. Mais voilà, ça fait plaisir. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste garder l'agenda. Mais tu me demandes déjà. Et tu me redonnes. Mais pourquoi? Parce que c'est le mien, je t'ai dit, t'as fait un don, c'est un loco, la vie de ma mère. Mais pourquoi? Mais c'est incroyable, rends-moi l'agenda, je t'ai. Ouais. Tu vas faire quoi? Ah, tu fais ça des pompiers? T'as pas honte? C'est toi, je te dis ouais que je vais récupérer mes sous et tout. Mais t'as pas honte, gros? Moi je te rends l'agenda si tu me rends mes sous. Bah garde l'agenda, la vie de ma mère. T'es sérieux? Bah ouais, moi j'ai des sous, ça fait plaisir pour les pompiers. Ah, tu sais quoi, tiens, je te rends l'agenda. Voilà, bah. Ah, je perds pas chance avec toi, la vie de ma mère. Tu sais quoi, je m'en bats les. Vas-y, j'en fais plusieurs des agendas comme ça, je fais plus d'argent que toi. Mais frère, tu fous ma gueule, la vie de ma mère, et c'est bon, évidemment, j'ai de la peine pour ta mère, j'en ai rien à foutre. Comment ça, toi? Parle pas comme ça! Mais tu respectes rien, la vie de ma mère, tu respectes rien! Je donne 75 euros pour les collectes et tout des pompiers, t'es là, tu me dis ouais, ça va aller dans les camions et tout, et tu veux même pas me rendre mes sous! Mais ouais, alors c'est comme ça, donner, reprendre, c'est bon, ouais, c'est un bonheur! C'est quoi les valeurs de ton métier? C'est censé être quoi les valeurs de ton métier? Aider son prochain, secourir les gens, aider les gens! Bon, voilà, c'est ça, bah, t'es quoi? Frérot, j'ai besoin! J'aide des pompiers, toi t'es rien du tout, t'es égoïste, tu penses qu'à ta mère! Ta mère elle est malade, mais non, je veux l'aider! Pense aux pompiers de la ville, on est là pour toi! Frérot, moi je veux juste récupérer mes sous parce que j'en ai vraiment besoin! Mais j'en ai rien à foutre! J'en ai rien à foutre de tes sous! Manipuler pour avoir les sous et tout. Non, je t'ai pas manipulé, c'est toi qui me manipules! Ma mère elle est malade, t'essayes de prendre pour les sentiments! Frérot, écoute, moi je veux juste récupérer mon argent. Bah écoute-moi le coup, franchement je vais pas te mentir, tu vois, ces sous-là, ils vont aider des personnes. Donc maintenant tu les as donnés, respecte un peu ton engagement parce que c'est un engagement que t'as donné. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir sauver des vies. Tu vois, tu m'as donné 75 euros, oh, sache que ça fait 4 personnes dans le monde à sauver. Ça sauve 4 personnes? Ouais, ça sauve 4 personnes. Tu veux sauver 4 personnes ou ta mère? Ta mère elle est seule. Voilà, tu sauves 4 personnes, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, j'avais pas le temps. Voilà, tu vois, voilà, faut réfléchir, faut aller plus loin que le bout de son nez.
C'est vrai, j'avais pas réfléchi comme ça. Ouais, quand même, oh. J'avais réfléchi, hein. Franchement, frérot, j'avais pas vu les choses comme ça, tu vois. En vrai, t'es un mec bien de ouf. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser quand même. J'ai... Non, tu sais quoi, cet extincteur, gros, je vais le garder, écoute. Et avec, j'espère que je vais faire des grandes choses comme toi, tu vois. Moi, franchement, tu m'as inspiré. J'ai envie d'être une grande personne comme toi, tu vois. Frère, ça me fait plaisir, franchement, si je peux aider. Tu sais ce que t'es, toi? Ouais. Y'en a plus beaucoup, des gens comme toi. Ah, ouais, c'est dommage, hein. Mais je te jure, la tête de ma mère, toi, t'es un bon gros fils de pute. Ah, puis tu parles comme ça. Ah, mais tu veux qu'on s'embrouille ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux qu'on s'embrouille ou quoi? Ah, je s'embrouille ou quoi? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire le fou?